Les gars, ici Sniper V, je suis content de vous avoir aujourd'hui avec moi. Je vais vous présenter aujourd'hui en fait mon nouveau loadout d'Airsoft qui est tiré en partie du MLCS Kit, donc Eagle Industry, Allied Industry, plusieurs autres marques connues, donc couleur kaki, BDU 3 couleur désert, donc restez là, ça va être intéressant. Mon casque, c'est une réplique d'un Mitch 2000 ou un TC 2000. Donc, très bonne réplique. Fiberglass, léger, contrairement à un vrai casque militaire qui pèse entre 3 et 4 livres, peut-être un petit peu plus. Donc, c'est un bon avantage d'avoir un casque plus léger, surtout pour l'airsoft dans le fond. Là. Donc, moi, j'ai fait un léger upgrade. Je pense que tout le monde devrait se payer ça quand il se paye une réplique d'un casque militaire. C'est le padding en dedans. Il vient à l'origine avec des pads quelconques là, de basse qualité. Je le conseille pas. C'est sûr que ça dépend pour le moment, mais ça garde l'humidité. Une mauvaise aération dans le casque pour l'air. Même pour l'hiver, apparemment, c'est pas fameux. Fait que je les ai upgradés du Skydex, une compagnie réputée qui fournit pas mal d'effets militaires pour les casques, tout ça. J'ai le chin strap qui vient avec aussi, Skydex. C'est important, ça aussi, le chin strap de le changer. Parce que ce qui vient avec un casque réplique, c'est les attaches et il lousse tout seul en courant. Parce que tu as 4 points d'attache ici. Tu peux l'acheter, tu peux tirer, puis en arrière aussi, tu l'as. Fait que ce qui arrive avec les répliques, c'est que quand tu cours ou que tu bouges, ben, ils viennent casser lousser tout seul, puis ton casque vient lousse. Tandis qu'avec une vraie marque réputée, ben là, ton casque reste sur la tête, tu n'as pas de trouble avec ça. Mes goggles dessus, c'est des ESS NVG Tan. Donc, moi, je les ai peinturés un peu. Ici, c'était noir, fait que j'aimais moins ça. De toute façon, ils vont se faire égratigner, puis ils vont pogner de l'âge, comme qu'on dit. Fait que très satisfait, des bonnes lunettes. Ils servent juste d'apparence dans le fond parce que je mets tout le temps mes. Justement, on va revenir au fait, mes lunettes balistiques ESS Ice. Donc, je joue tout le temps avec ça. C'est plus léger, on voit mieux. On n'est pas obstrué côté panoramique quand on regarde de gauche à droite. Circulation d'air, encore une fois, se fait mieux que des lunettes fumées comme ça. Un balistique, donc c'est très important. Les yeux, comme vous savez, comme dans mes vidéos, je passe tout le temps mon petit commentaire. Achetez-vous des bonnes lunettes. C'est abordable, il est à bon prix. Évitez les répliques justement, là, sans nommer. Puis les yeux, c'est important. Donc, c'est un must, tant qu'à moi, d'avoir des bonnes lunettes balistiques. Donc, mes lunettes, j'ai fait un petit upgrade dessus. Donc, là, j'ai mis le drapeau, un flag. Donc, je les ai coupés. J'ai coupé la bande comme qu'on peut voir. Donc, ça fait plus. Opération spéciale et les unités spéciales. Fait que je peux les mettre par en arrière. Ce qu'on a à faire, c'est les détacher comme ça. Ou on peut les ajouter. Je trouve ça plus pratique. On n'a plus besoin des petites attaches qui vont sur le casque pour tenir les bandes et tout ça. Donc c'est moins tannant. Je peux les mettre en arrière quand je n'ai pas de besoin. C'est pour le look aussi. Là. Fait que. C'est un petit upgrade que j'ai fait, puis je trouve pratique. Vous devriez le faire, c'est pas dur. Je vais faire une review dessus bientôt. Dans le fond, c'est de les couper, puis de les replier sur eux-mêmes, puis de venir mettre du velcro en arrière. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Si on est débrouillard, là, de moindrement, c'est assez facile. Un autre add-on que j'ai fait, c'est ma Surefire Real Deal HL1A Tan. Tant qu'à moi, c'est un très bon investissement. Je l'ai pogné sur eBay. Moi, c'est le modèle qui venait avec la lumière blanche et bleue. Très bonne qualité. Moi, j'ai la nouvelle génération. Donc, elle est rotative à 180 degrés de haut en bas. Donc, c'est un must. Toujours à la place de regarder où tu veux éclairer. Mais tu peux la mettre où ce que tu veux. Fait que, je trouve ça pratique. Elle s'enlève du mounting, facile à enlever. Fait juste appuyer une légère pression. On peut l'enlever comme ça. Donc, très bonne flashlight. Il y a le IFF dessus pour Identify Friendly or Foe. Donc, très pratique. Ça se voit seulement qu'avec un night vision. Je vais essayer de vous le montrer avec le night shot. C'est sûr qu'il n'apparaît pas beaucoup parce que là, je suis en train de filmer en plein jour. Mais on voit pareil, ça clignote. On le voit avec le night vision. Le soir, ça fait un gros clignotement qui flash. Puis. Ça paraît beaucoup, là. Fait que c'est pratique quand vous faites des games de nuit.
si vous voulez faire connaître par vos alliés. Donc c'est sûr que toute votre team Firecade et Night Vision pour vous voir. Donc toujours avec le haut, mon fameux balaclava, c'est un Black Hawk Light White Nomex balaclava, donc couleur OD. Je prévois le changer bientôt pour un tan justement ou un noir, là, fait que je verrai ça. Mais ultra pratique. Ultra pratique, confortable. Nomex en fait, ça l'empêche de fondre le matériel sur votre peau. Donc c'est pas résistant contre la chaleur. Là, mais sauf qu'on est bien, c'est léger. On est bien l'été avec. On est bien quand il fait un peu froid aussi dehors, quand c'est frisquet. Donc, un autre ajout très important pour un casque puis pour le look aussi. Ou bien très utile, donc c'est une suspente qu'on pourrait appeler en français. Le mien c'est un Upscore Vast Shroud, donc Shroud c'est en anglais pour une suspente. C'est prêt à accueillir un mounting pour les Night Vision, ou bien pour une caméra HD ou une flashlight, très important. Bon, on va tomber dans mon Resu Unit, donc mon headset c'est un Comtac 2 de Element ou Z Tactical, je pense que c'est un peu la même affaire. Très satisfait. Moi je l'ai crilonné, si on pourrait dire, en TAN. Donc ça marche avec deux batteries AA de chaque côté. On peut retirer ça ici. Puis c'est à l'épreuve de l'eau. Il y en a une ici, puis il y en a une autre de l'autre côté. On l'allume avec les deux pitons en dessous pour l'allumer. Puis on peut amplifier le son ou bien le diminuer le son. Donc contrairement à un vrai. Le vrai, ce qu'il fait, c'est qu'il étouffe le son quand les sons sont trop forts. On s'entend avec les armes à feu. Donc, tandis qu'avec une réplique, ben, ça l'amplifie les sons. Donc, c'est important aussi, c'est une question de sécurité pour les oreilles. On sait qu'un bébé dans le visage, dans les yeux ou dans les oreilles, ça fait mal. Donc, c'est une petite couverture de plus pour les oreilles. Puis en même temps, ben, c'est pratique pour communiquer avec les autres membres de votre team. Donc moi je suis satisfait à date, il y a le boom mic ici qui est ajustable. Exemple que vous voulez boire ou n'importe quoi, vous pouvez le tasser comme ça. Donc la sonorité est claire, la réception est claire dessus. Satisfait pour une réplique. On continue à descendre, j'ai mon Shemag TAN. En tout cas moi je trouve qu'il est rosâtre un peu, rougeâtre là. Peut-être qu'ils se sont trompés au magasin, mais de toute façon, je vais m'en commander un autre qui va vraiment être un couleur sable. Donc, mais sinon, très utile. Ça peut servir à plein d'affaires, un Shemag. Se protéger le cou, entre autres, des attaques de bébés ou quand on passe dans les branches dans la forêt, ça vient pas nous piquer dans la gorge. Ça peut nous servir à nous essuyer, laver notre arme, essuyer les lunettes, notre sueur. Ça peut servir à plein d'autres choses. Là, t'sais, fait que, les possibilités sont par milliers là, donc, très important, puis c'est pour le look aussi, c'est le force spécial, donc un must. Si on continue avec l'headset, après l'headset il y a un fil donc, qui part, moi je l'ai fait passer en arrière de moi, je l'ai fait rentrer, puis qui va aller chercher mon PTT, donc avec une prise ici. Il se branche dans le Push to Talk, donc c'est l'abréviation PTT. Le modèle du mien, c'est un T-T-E-A, T-Push to Talk, donc très pratique, utilisé par les Navy SEAL ou d'autres forces spéciales. Moi, je l'ai crilonné encore une fois, du côté tan poussiéreux, ça fait plus vétéran. Donc ici, j'ai mon 4 tourniquets. Donc un 4 tourniquets, en fait, ça sert, en français, c'est un garrot. Donc quand il y a une hémorragie, une blessure, que ce soit à la jambe, à la cuisse, à ces places-là, on fait un garrot, ça stoppe l'hémorragie, donc vous arrêtez de perdre votre sang. C'est sûr que dans l'airsoft, ça sert pas à grand-chose, mais sauf que dans les jeux de rôle, les jeux de simulation militaire, on peut s'en servir pareil pour faire semblant puis rentrer plus dans le personnage. Donc ça fait des games plus intéressantes puis plus réelles avec 4 tourniquets. Ça fait un beau look aussi sur l'épaule. Donc à portée de main, moi je les mets avec un velcro. Donc quand j'en ai besoin, j'enlève le velcro, je peux le prendre tout de suite. C'est une bonne qualité, ça coûte pas trop cher puis ça fait un petit rajout tactique sur votre loadout. Ici c'est mon pistol mag pouch de Eagle Industry, donc c'est FB pour qu'il y ait du Kydex dedans. J'ai trouvé ça pratique parce que on n'a pas besoin de la fermer, comme vous avez pu voir, il faut quand même avoir une bonne pression pour qu'il sorte, une bonne force. Donc je sais pas si je serais capable de vous le montrer,
Mais en dedans, il y a du Kydex. C'est un petit matériau comme du plastique moulé qui est dedans. Fait que c'est vraiment pour tactique, pour un fast response. T'as pas besoin de la fermer. Si vous êtes pas sûr, dans le fond, il y a vraiment un petit flap comme ça pour le fermer. Donc ça évite la poussière à rentrer dans votre valve là, pour mettre votre gaz propane. Quand vous voulez vraiment en avoir besoin ou quand vous prévoyez utiliser votre chargeur, mais c'est pas compliqué, vous tirez ici. Donc Eagle Industries, couleur kaki, FB Mag Pouch, 9 mm, mais il fit parfaitement pour mon Glock 17. Dans le main pouch, je vais commencer par les drapeaux à l'extérieur, les flags. Donc lui, c'est un vrai military issue de drapeau US. Donc la différence entre les vrais puis ceux qu'on achète ailleurs, là, c'est sites répliques chinois, si on pourrait dire. C'est qu'il faut des night vision pour le voir. Donc il illumine pas avec la lumière dessus. C'est pas un glow in the dark. C'est vraiment, il faut des night vision. Je peux vous montrer avec la night shot. C'est sûr qu'on voit pas beaucoup, mais je vais m'éloigner. Fait que dans la nuit, tout ce qu'on voit, c'est le drapeau US qui flash comme ça. Donc ça donne rien de mettre plus de lumière dessus, il flash pas plus. C'est vraiment pour les infrarouges, le night vision. Fait qu'encore là, si votre team a des night vision, c'est cher, c'est sûr, c'est pas tout le monde qui peut s'en payer. Mais quand vous avez une team solide, mid sim, ce qui est intéressant, c'est que votre team a des night vision après le cas justement, qui se baisse. Puis vous pouvez voir c'est qui est vos alliés dans le fond le soir. Donc, très bel achat, belle petite acquisition. Je ne l'ai pas payé trop cher, je ne l'ai pas payé sur eBay. Je pense 15-20$. Éventuellement à mon V21, pourrait nous rappeler les cils, le patch des cils dans le temps. Donc ici j'ai la croix Crusader Cross, encore reliée aux cils. Donc l'admin pouch chez Eagle Industries, nouvelle génération je pense, je ne suis pas sûr. Donc elle a du velcro, toute la surface avant. Donc on peut coller toutes nos patchs, une grosse sanguine, ce qu'on veut dessus. Bon, mais dans le fond, mon tube de l'Hydration Pack, je l'avais ici. Il est moins encombrant. Quand j'ai besoin, ben je l'ai ici. Ou quand que je prévois peut-être boire plus, je le laisse pendre comme ça. Ou je l'attache avec un Grimlock qui est ici. Donc, pour éviter qu'il bouge tout le temps comme ça. Donc, l'admin pouch est composé de deux poches. Donc, une ici et une ici. C'est rien de trop... vous élaborer là-dedans, là, c'est vraiment une poche pour mettre toutes nos clés ou les crayons, les affaires dans le même, les maps. Donc c'est vraiment, ça le dit, une poche administrative, donc ça sert à ça. Je vais vous parler de mon One Point Sling. C'est une sling d'attache à un point, donc c'est une bonne qualité. C'est MDOM qui l'a fait, c'est un URS One Point Sling. Donc, c'est sûr qu'il a fallu que je m'achète la petite adapteur, parce qu'on voit ici, c'est juste la femelle. L'adapteur ici, avec la petite clip que tu fais juste peser, puis elle se clip dessus. On voit peut-être pas bien que les gants, mais on vient l'attacher après notre swivel sur notre M4, puis il est attaché. Tout ce qu'on fait, c'est venir le clipper. Bon, là, on voit pas trop bien. On vient le clipper, ça tient, on lâche, notre M4 tient. Donc, c'est un must. La petite clip, c'était une Gear Sector HK, donc c'est pas trop cher, je pense que ça coûtait une quinzaine de pièces. C'est l'adapteur mâle, c'est la couleur Dark Earth, donc on voit que c'est quand même tan. Là. On a descendu un petit peu, j'ai oublié de parler peut-être du Grimlock ici. Ça vient en paquet de 4, donc couleur tan. C'est pas pour faire d'alpinisme, rien de ça, c'est juste pour tenir des objets moins lourds. Pratique pour petit look. Et l'actique, donc pratique. Craque ça, de la lumière instantanée, ça fait low signature qu'il pourrait appeler en anglais. Ça fait une petite lumière pour se faire pairer trop. Fait que très pratique pour les circonstances, scénarios de nuit. Ici, on a mes poches d'Eagle Industries. C'est des single pouch, mag pouch de M4. Donc c'est bon pour deux poches dans chaque. Donc juste en avant, je suis bon pour quatre chargeurs. Ici, c'est mes poches Smoke Pouch, Smoke Grenade Pouch de Eagle Industries, encore une fois, couleur kaki. La première, j'ai mis éventuellement ma gas can. Quand on a besoin de refiler nos chargeurs ou notre grenade, c'est un must d'avoir ça. Sur le pouce même. Fait que pratique, léger,
puis tout le temps bien de l'avoir sur nous. Dans l'autre, éventuellement, j'ai ma grenade à e-tornado, qui est très utile. Je prévois acheter la Impact Grenade aussi, très pratique. C'est un petit bout qui est sorti, mais je la trouve ingénieuse là, quand elle tombe, elle explose. Fait que c'est peut-être mieux d'un fois qu'un délai. Donc, son bouge ici, c'est encore Eagle Industries. La Utility Canteen Pouch de 1 litre, je pense, 1 quarter canteen qu'ils appellent. Donc, couleur kaki. Sinon, ça peut servir, pas obligé d'avoir une cantine là-dedans pour boire de l'eau dans le fond. Là. C'est pour mettre les Night Vision. Ce qui est pratique, c'est qu'elle a comme un filet en dessous. Donc, s'il mouille ou tu vas dans l'eau, ben, l'eau s'évacue rapidement. C'est un bon ajout pour une poche utilitaire. Facile à refermer, fiable. Donc à côté, j'ai mes menottes qu'on pourrait appeler. C'est des Threefold Handcuff. Donc celle-là est couleur jaune. C'est la compagnie ASP. Donc c'est pas une réplique, c'est vraiment real deal. C'est ultra pratique dans le scénario Milsim justement. Donc que je joue tout le temps, autrement dit. Donc, fiable, compagnie qui est réputée déjà. Donc, les forces spéciales, non aussi. Si vous regardez sur Google, il y a plusieurs photos. La seule qui n'est pas la real deal pour l'instant, là, mais je n'ai déjà commandé une. Donc, je l'ai pas reçue. Je vais juste faire un petit review en attendant sur mon loadout. Donc, elle, c'est la compagnie Fly qui le fait, Fly Industry. Personnellement, je l'avais acheté pour comparer la couleur avec les vrais. La couleur MJK de Eagle Industry. Donc pour Matt Johnson Khaki, c'est autrement dit, c'est le khaki de Eagle Industry. Donc je voulais juste voir si ça allait bien. Donc comme vous voyez, ça va super bien dans le fond. Puis Fly Industry, tu sais, je veux dire, je prêche pas pour eux autres à rien là, mais sauf que c'est surprenant, c'est de la bonne qualité, sérieusement. Je peut-être pas prête à m'en débarrasser, je vais la garder en backup au cas qu'il arrive de quoi avec mon autre poche d'Eagle Industry. Mais chose sûre, c'est que ma poche PCR 148 Eagle Industry, elle s'en vient. Hein. Mon PCR 148 vient de Toy Soldier, c'est un Military 5-pin. Donc il est plus fiable qu'un standard normal. Donc c'est vraiment la connexion aussi, il y a 5 pins, il y a 5 connexions. La réception est plus claire, autrement dit. Fait que là, ici, on a le fil de l'antenne. Ça, ce que je viens de débrancher, c'était le fil pour aller jusqu'au push-to-talk. Donc, à la place de tout dévisser, on fait juste tourner un peu et on peut l'enlever. Donc, je suis satisfait. C'est un bon radio. J'ai pas eu de problème à la date. Ça fait pas trop longtemps que je l'ai. Donc, on a vraiment le bouton du volume. Il y a quelque chose comme 29 ou 31 canaux, je pense. On peut modifier la sensibilité de la réception pour un environnement bruyant, modéré ou bien faible. Donc, il y a pas mal de fonctions intéressantes de son. On peut le barrer, on peut scanner. Donc, il y a plusieurs aussi fréquences qu'on peut jouer. Fait que à date, je suis bien content. Donc, ça prend 5 batteries AA qui vont en arrière. Donc je ne ferai pas vraiment une review là-dessus, c'était juste pour vous montrer le PCR 148 de Toy Soldier. Et il vaut à peu près 150$ sur leur site, à part les frais de shipping. Donc bon investissement. Puis la réception est claire, j'ai fait plein de tests avec. Puis c'est plaisant, en plus la vraie réplique. Donc c'est une réplique de la vraie PCR 148 justement des militaires. Donc thumbs up. On continue, j'ai mes Eagle Industry, encore une fois, mes Double Mag Pouch d'M4. Donc, sont prises ensemble. Chaque compartiment peut tenir 2 chargeurs. Donc, la poche au complet peut tenir 4 chargeurs. Très satisfait, encore une fois, c'est du solide Eagle Industry. De toute façon, on s'entend que ça a fait ses preuves. Donc, j'ai des mags de spare ici. Donc, c'est vraiment sur mon côté gauche. Donc moi je suis droitier, quand il faut que je recharge, c'est facile à aller prendre sur mon côté gauche. Donc c'est une manière tactique de placer nos poches sur notre veste. Ouais, en arrière de ma Sierras, on a vu tantôt les fake smoke grenades, les M18. C'est tout simplement par décoration. Mes ciseaux justement pour découper les bandages, les chandails en cas d'urgence.
l'antenne de mon PCR-148. Donc, c'est une antenne pliante. Quand on la déplie, oui, elle devient grande, puis elle mesure, je pense, 1,5 mètre, je pense, en fond de même. Éventuellement, on a le map pack, c'est Modular Assault Pack. Bon, mais la première poche, c'est une Smoke Grenade Pouch de Eagle Industry, encore une fois. Je n'ai mis une sur le côté du map pack, puis c'est plus pour mes coéquipiers. Quand ils me suivent en arrière et qu'on a les mêmes mags, on peut partager les mags. Là. Fait que c'est un côté pratique et tactique. Je peux mettre des grenades dedans, donc mon coéquipier en arrière, il peut prendre une grenade et la lancer. C'est vraiment un jeu d'équipe. Là. C'est faut y penser. Puis c'est des petites choses comme ça qui peuvent déterminer si on est les gagnants, dans le fond. Donc, je n'ai mis une autre en dessous. Une Smoke Grenade Pouch de l'industrie. On peut la défaire. Je peux vous la montrer en dessous. Donc, c'est ça, juste du Real Deal que sur ma veste. Ici, on a le Flare Pouch, Pop Flare Pouch de Eagle Industry, encore une fois. C'est la version down parce que quand elle est installée à l'endroit, bon ben la poche est à l'envers. Donc il y a l'autre modèle aussi, c'est la up. Donc la up, ben quand tu l'installes à l'endroit, ben la poche, l'ouverture est en haut, tout simplement. Donc j'ai une fake CS Pocket Nade. Donc ça, en fait, c'est réellement c'est du gaz qui donne envie de vomir quasiment, qui pique dans les yeux, qui t'empêche de respirer. Donc encore une fois, c'est dummy. Moi, je l'ai attaché après mon webbing de ma veste. Donc c'est vraiment plus pour le look. Donc on peut voir le tuyau qui dans mon map pack, après mon réservoir d'eau. Donc j'ai mis deux épaisseurs. Il y a une épaisseur, c'est en néoprène dedans. C'est plus un isolant thermique, ça empêche le tuyau de kinker. Puis l'autre, ben c'est la gaine qui l'entoure en trois couleurs désert, qui est en nylon. Fait que je trouvais ça plus beau de le changer de couleur, de le mettre en trois couleurs. Fait que ça va chercher la couleur de mon uniforme. Puis c'est pas trop juste kaki, le MJK. Ça, c'est à l'arrière de ma veste. C'est un beau look, ça fait complet. Je vais continuer avec ma first line. Donc, ma first line est assez simple. J'ai pas toutes mes affaires encore dessus, mais il manque pas grand chose. Je veux pas m'encombrer parce que quand on se penche, vous voyez, ça peut à côté. Donc, la ceinture principale, justement, c'est Black Hawk Café. C'est la Enhance Military Belt. Donc, écoute, très robuste. La side buckle release détache à trois points, ici puis ici. Donc, pour la détacher, c'est vraiment, faut appuyer ces trois petits boutons. C'est serré, ça bougera pas de là. Couleur kaki, encore une fois, c'est le qui match bien avec la couleur d'MJK de Eagle Industry. La belle pad en dessous, c'est le Eagle Industry, couleur kaki, très rare à trouver, même sur les sites internet comme Eagle Industry ou d'autres, là, des dealers autorisés, ils l'ont même pas. Donc ils privilégient pas mal plus les militaires, chose qui est logique. Donc très rare à trouver. Très content, très satisfait, elle tient bien. On continue avec la first line, j'ai mon multi-tool, le Letterman, un must, sérieusement. Non? C'est la marque Core, donc si on peut voir ici. Donc c'est le modèle Core Letterman. Je n'ai deux comme ça, l'autre c'est un Wave que je traîne quotidiennement sur ma ceinture. C'est compact, ça paraît pas en dessous du chandail. Écoutez, bien personnellement, ça fait peut-être 6 ans que je traîne ça sur moi, sur ma ceinture, puis je m'en sers à tous les jours, ou presque. Donc, il y a les pinces dessus.
c'est, y a couteau, il y a tournevis, lime, petite scie, mais toujours pratique. Il y a le pince coupante aussi. Dans les scénarios aussi, 1000 sims, simulation militaire, ça peut être pratique, couper barbelé, n'importe quoi qui obstrue une porte ou un MOS à avoir avec de la poche en cuir. Je compte pas la peinturer, je trouve qu'il y a un peu de noir dans mon kit DCU, ça fait la job. On continue, j'ai mon Gemtech Lanyard Retention System, donc qui va s'accrocher après la poignée de mon pistol. Donc c'est une petite modification que j'ai faite. J'ai percé un trou tout simplement. Donc un petit trou qui obstruait rien. Donc je peux rentrer le chargeur puis il n'y a pas de trouble. Donc très pratique. Dans le fond, le lanyard, ce qu'il fait, c'est qu'il t'empêche pas de tout le temps garder ton arme avec toi. Ce qu'il fait, c'est que si tu l'échappateur, au moins il te suit. Mais il est fait sécuritairement, c'est que si, exemple, ça pogne à quelque part, dans n'importe quoi, le véhicule, si t'es accroché puis ça part, ben, tu te feras pas traîner pendant jusqu'à temps que le chauffeur il remarque qu'il te traîne. Fait que je pense que il y a un point de rupture à, je pense, 70 livres ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pratique, au moins vous êtes sûr de pas perdre votre serre d'armes. Fait que un muscle aussi. Ma dump pouch, écoute, je suis très fier de cette pièce d'équipement-là. C'est une Real Deal CSM en trois couleurs désert. Elle est pliable comme ça. Quand on a besoin, on fait juste tirer. Puis on rentre le petit velcro. Puis on a une mini dump pouch. Donc on voit le logo ici. CSM, petite tête de squelette. Je l'ai fait faire sur mesure par justement la compagnie CSM. Il y a un site internet. Donc n'hésitez pas à aller voir. Le gars, moi, qui m'a répondu, je crois qu'ils sont combien, mais. J'ai demandé s'il pouvait me faire une trois couleurs sur mesure. Elle, c'est une mini drop pouch, puis le gars il a accepté. Mais apparemment, que tous les items sur leur site, ils peuvent les faire trois couleurs désert. Erreur, j'ai jamais vu personne avec cette dump pouch-là, ou on peut appeler ça une drop pouch. Donc, j'ai deux autres poches sur ma first line. Elle, c'est une flare pouch de USGI. J'étais curieux de savoir c'était quoi leur produit. Donc, il y avait le serial number en arrière. Donc, il est à l'envers, je sais, mais c'est pas grave, là, je ferai pas une review sur cette poche-là. Je suis content, trois couleurs désert, ça casse un peu le look khaki. Donc, celle-là ici, c'est Eagle Industry, la Frag Pouch, justement. Donc, très bonne poche. Je m'en sers justement pour mettre mon monoculaire dedans. Donc, tout simplement ça. Puis l'autre poche de USGI à côté, la flashbang pouch, donc je vais mettre d'autres choses dedans, ça c'est sûr, mais en attendant, je n'ai comme rien trouvé à mettre dedans. Donc c'était ce qui composait ma first line pour l'instant. J'ai mon leg panel Eagle Industry, belle pièce d'équipement, c'était tant qu'à moi encore, c'était un must, là. Donc elle s'attache à un point sur la ceinture, très robuste, très bien conçu, couleur khaki éventuellement. Donc elle s'attache avec une bande seulement, c'est parfait, c'est pas encombrant. Moi j'ai mis mon autre Threefold Restraint and Cuff, donc de ASP. J'ai fait commander un jaune et un noir. C'est sûr je vais en commander d'autres, des handcuffs, là. Je voulais juste voir la qualité et tout. Fait que là, le tryout, on pourrait dire, il est fait, fait que je vais en commander d'autres. Je l'ai modifié avec, à la place d'avoir la titano en plastique, j'ai mis de la paracorde 550. Évidemment. Donc la raison pourquoi je l'ai mis ici, c'est que encore une fois, si t'es en position couchée, tu veux prendre de l'avance avant que tu te lèves, tu peux le prendre tout de suite, te lever et aller menotter ton suspect là, si tu joues Melsim. Donc la seule raison pourquoi je l'ai mis là, c'est pour ça. Puis aussi c'est que je suis droitier. Quand je tire, moi je suis droitier, fait que j'ai tout le temps ma main gauche qui peut être disponible en tout temps. Le même effet que le même principe quand je recharge. Donc là, si j'en ai besoin, je le prends. Avec ma main gauche. Donc, de l'utilité d'avoir un leg panel comme ça sur le côté, c'est que quand tu es couché, tu as facilement accès à tes mags de sport. Donc, si il faut que tu recharges, dump pouch, mets tes choses dedans, tu recharges ici avec ta poche, tu prends ton mag. Fait que quand tu es couché en position, justement, de tir couché, bien, c'est un must d'avoir ça. Fait que ça t'évite de te lever et d'être vulnérable au tir ennemi. Mon leg holster, c'est un Blackhawk Serpa Level 2. Ça fait un bout gelé. Je l'ai repeinturé depuis.
Très satisfait. Je sens que mon arme, il sortira pas par mes gardes. Pour le sortir, c'est une pression du doigt ici. Donc, facile. Donc, pour le remettre, c'est aussi facile. Il tient, il bougera pas. Même en courant ou en se roulant en terre, n'importe quoi, il a tout le temps resté là. C'est solide. Le plastique qui est dessus, ça doit être style d'ABS. Très solide, encore une fois. Très satisfait de mon produit. Mais sauf que j'attends mon Sapphire Lens 6004. Un item très important, vu qu'on passe plusieurs heures debout à courir, faire tout ce qu'on fait en situation de guerre, en fond, c'est des bonnes bottes. Moi, j'ai opté pour les Rocky S2V. Donc, vous pouvez aller taper sur Google. C'est des bottes qui ont été conçues par des forces spéciales. Là, c'est fait anti-flare. Il y a un enduit dessus. Les semelles, c'est fait pour faire du fast roping. C'est une surface plate. Il n'y a pas de talon. Donc, ça soutient bien la cheville. Il y a des trous de drainage ici. Donc, si on traverse une rivière ou quoi que ce soit d'humide ou mouillé, ben, plus je marche, ben, plus mes bottes ils sèchent. Donc, un must. C'est des bottes qui montent, c'est des 8 pouces dans le fond. Donc, très satisfait. Des pantoufles, on pourrait appeler ça des Cadillac. Donc, un must. Mon arme principale, c'est un WeTech M4 Open Bolt CQBR. Donc, je l'ai modifié depuis le temps un peu. Nouvelle peinture, le canon, je l'ai raccourci pour un 10.5 pouces pour justement rejoindre ce que je voulais faire, le MK18 mode haut. Donc, il reste des petits ajouts à faire extérieurement, comme mon CAC Silencer QD. Donc, c'est utilisé par les forces spéciales. Après ça, je vais me concentrer vraiment sur l'interne. Il y a déjà l'endpass kit installé dessus. Sinon, ben, à part ça, je vais modifier tout l'interne, tout le trigger block et tout ça. Là. Mon Glock, c'est le même, il n'a pas changé. C'est KWA. Très satisfait du Glock. J'ai jamais de trouble à la date. Ça fait peut-être 3 ou 4 ans que je l'ai, je suis sûr. Donc, très bon handgun. Blowback, encore une fois, au gaz. Très satisfait. KWA, ben, chapeau. Après tant d'années, c'est sûr qu'il faut tout le temps aller lubrifier. Il faut faire la maintenance. Là, t'sais. Quand on finit de jouer, ben, c'est pas plus long le démonter puis faire la maintenance. Là, t'sais. Okay, on le démonte, on lubrifie tout. Quand on a fini, ben, on le remet. C'est pas plus dur. Là, t'sais. Okay, un must. Lubrifiez vos choses. Prenez soin de vos affaires. Mes gants, c'est des hatch faits en Nomex avec du cuir en peau de vache, je pense. Donc, Nomex, c'est pratique, mais il ne faut pas induire en erreur. Donc, Nomex, ce qui arrive, c'est que c'est pas anti-chaleur. Si tu mets du feu ici, sur le dessus, ça va te faire mal. Le seul avantage qu'il y a là-dessus, c'est que le matériel ne fondra pas sur ta peau. Donc, bon gant, couleur tan. Mon BDU, c'est la marque TrueSpec en DCU Color. Donc, il y a 3 couleurs désert. Il est fait en éco, donc 50% nylon, 50% coton. Écoutez, je suis très confortable dedans. Je peux pas demander mieux. Le tissu, il est souple, il est léger. Il fait respirer bien. Il sèche vite aussi quand il est mouillé. C'est sûr que aussi, je vais me pogner un combat shirt. Ça fait partie justement ce qui me manque là, dans mon loadout. Ma cirrhose, c'est Eagle Industry, couleur kaki. Cirrus Land, il manque plusieurs choses, donc mon holster, que je vais me payer un Sapphire Land 6004, mes genoux éventuellement, je n'ai pas, je vais aller me chercher des Hatch Centurion couleur tan, V-Light de SAS Précision, V-Light, c'est, je vais les prendre rouge éventuellement, je vais sûrement coller un sur moi en avant, puis un sur mon casque en arrière, c'est ce qui remplace le dead rag quand vous êtes hit, mais sur une game de nuit, donc le dead rag de nuit il sert à rien, autrement dit, fait que là quand t'es touché, il flash rouge, fait que ça veut dire que t'es hors service, donc t'es hit.
Fait que, il manque plusieurs choses. Je vais aller me chercher le MS2000 Strobe, c'est ce qui va sur le casque. Donc, c'est un long strobe pour les, ceux qui ont des visions de nuit. Donc, aussi pour le look. Fait qu'en finissant, j'espère que les gars, vous avez aimé mon vidéo. C'était un bref résumé de mon kit, donner une petite mise à jour à mes 280 spectateurs. Donc, je tiens entre autres à vous dire un gros merci, les gars. Merci de me suivre. 280, écoute, il y en a qui n'ont plus. Mais moi, je me considère ultra chanceux d'avoir 280 bons spectateurs sur YouTube. Merci beaucoup, sérieusement, j'apprécie énormément. Parlez de moi, que ce soit en bien ou en mal, mais parlez de Sniper Lee. Donc, c'est un peu ça ma devise sur Internet. C'est sûr qu'il va tout en voir quelqu'un qui aime pas, puis d'autres qui aiment. Ça, c'est normal, on peut pas plaire à tout le monde. Agissez prudemment. Lunettes, encore une fois, très important. Fait que d'ici là, on se revoit bientôt dans un autre vidéo. Sniper vous dit, ciao les gars.